Okay, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser KiwiX pour visualiser et utiliser Wikipédia hors ligne. Donc pour cela, je vais d'abord ouvrir le logiciel KiwiX. Donc ici, je me retrouve avec Wikipédia hors ligne. Si je fais une recherche, par exemple, tomate, et je sélectionne... Je vais me retrouver donc avec un Wikipédia en ligne. Pour annuler la recherche, je fais ce geste-là. Si je veux changer de wiki, je vais sur les trois petits carrés ici. Je vais faire ouvrir un fichier. Et là, je vais me retrouver avec tous les fichiers ZIM, les extensions des wikis installés sur mon ordinateur, sur ma tablette. Donc là, je prends Wiktionary en français. Et à partir de ce moment-là, mon application KiwiX va utiliser Wiktionary. Donc là, si je vais par exemple sur une recherche, je vais me retrouver dans Wiktionary. Pour rechanger, retourner à Wikipédia, ouvrir un fichier. Et là, je sélectionne Wikipédia en français. Et je bascule vers Wikipédia. Alors, comment trouver les wikis installés? Et bien, pour cela, je vais dans mon gestionnaire de fichiers et dans le cas présent, Wikipédia pesant plus de 16 gigas, il s'agit de les installer sur la carte SD. Donc, je vais dans ma carte SD. Et je les retrouve dans un dossier que j'ai créé, qui s'appelle Wiki.